Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a sorti la petite dirt. Alors si je filme ici les mecs, c'est pas pour faire le kéké en cross bitume ou quoi. C'est juste que bah je vais où il faut rouler et je vais un petit peu plus loin que d'habitude. Et du coup je prends la route. Et c'est pas bien, ça c'est provisoire, c'est la seule fois. Après normalement ça sera beaucoup mieux, j'en dis pas plus. L'une des dernières fois dans l'illégalité. Et ça me saoule parce qu'en plus rouler avec des pneus route sur ici, c'est pas top hein. Hop, on s'en va direct en off-road. Oh punaise. Les amis, la vidange vient d'être faite. La vidange d'après rodage. Donc là, le rodage est fini. La vidange est faite. Normalement, niveau entretien, je suis pas mal. Hein. Bon, attendez, moi, j'ai jamais roulé ici. Beaucoup trop nerveux, le 150. Mais c'est beaucoup trop drôle. Là, t'as le petit virage relevé. Ah oui. Attends. Oh putain. Carrément, on a un 450 là. Oh lolo. Bon, normalement, les amis, petit saut. J'ai mis une mousse pour le micro, donc normalement, plus de problème de micro, ça devrait aller. Ouais, enfin, ça fait au moins un an que je devais la mettre. Là, je me suis déterminé à la mettre. Normalement, la pression des pneus, elle est bonne. Oh punaise, il y avait un arbre. Bon, et je connais pas très bien le terrain, donc m'en voulez pas. Hein. C'est pour vous montrer qu'elle passe partout. Ah oui, bah oui. Faut pas croire, ça passe partout ça, c'est un petit truc. Hop. A fait les grimpettes. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hop, le mec il dit ça, la vidéo a déjà commencé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de ce genre. Oh punaise. Ouais là-bas ça m'inspire plus confiance. Si vous voulez ce genre de vidéo plus souvent les amis, là-bas. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Aïe, ça c'était la branche, non. C'est pas forcément cool les branches. Donc voilà les amis, la 150 RFZ en grande roue qui m'a été envoyée gentiment par Smolemix. Le jeune train, on va faire comme dans Taxi. On va faire la scène où ils vont plus vite que le train. Donc pour ceux qui voudraient s'acheter ce genre de bécane et qui voudraient un avis, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au moins si vous êtes pour l'instant sceptique, bah attendez que je sorte de plus en plus de vidéos dessus. Et de toute façon, moi, à chaque fois que je veux acheter un truc, je fais ça. Je regarde s'il y a des vidéos sur YouTube ou quoi, pour voir si c'est cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, les amis. Sur TikTok, on est 40 000, eh. Ça fait du monde, hein. Ah oui, pour ceux qui ont vu la vidange aussi, ça s'est pas très bien passé. Si jamais, ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent pourquoi. Donc voilà, si vous voulez profiter, les amis, il y a un nouveau code promo. C'est passé à 10% sur les pièces détachées. 10% sur les pièces détachées, c'est Smolemix. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et 5% sur les bécanes, ça fait plaisir, un petit 5% comme ça. Donc si jamais tu veux t'amuser. Oh ça glisse, oh non il y a du verre. C'est possible avec ce genre de petite bécane. Hop, la première petite grimpette. Ah ouais frérot, ça rigole hop les grimpettes ici. Je pense que ça passe hein. Si vous voulez que je la fasse les mecs, mettez-moi des pouces bleus. Là si vous avez cliqué sur le pouce bleu, je vous la fais. Oh, ça passe. Oh là. Ici on est sur des petites grimpettes assez cool à faire. Regardez toutes les grimpettes qu'on peut faire ici. Franchement il y a de quoi s'amuser hein. Bon peut-être pas celle-là la grosse avec ça, mais pourquoi pas avec d'autres bécanes on peut le faire là. Ouais ça passe regarde. T'as un de ces freins moteurs, t'as pas besoin de freiner, sympathique. Donc dites-moi si c'est mieux la qualité du micro les amis. Et puis voilà, on va se faire plaisir avec des petits tours ici, avec la dirt. Regardez, virage relevé. Franchement c'est pas mal hein. Il y a de quoi faire pour s'amuser. C'est pas trop petit. Attends, ça passe là ou quoi frérot? Comme je te dis, je connais pas le terrain. Ouais ça passe. Oulala. On va aller plus là-bas, c'est plus large. Mais sinon ouais hein. Là on s'en va faire la grosse grimpette les amis. Oh là là. Ok là je suis dans la merde. Ok.
Oh, oh putain. Là je suis dans la merde. Oh, je me suis brûlé avec le pot. Bon attendez. Ah ouais, comment on fait maintenant? Comme je vous l'ai dit, ici on se met dans des postures assez compliquées. Parce que là j'ai. Regardez, j'ai aucune adhérence. Et j'ai pas un frein avant de ouf. Du coup là pour la monter. Oh là là. Oh putain. On se met pas toujours dans les meilleures positions ici. Oh, elle glisse. Je vais la poser. Je vais la poser, il faut que je fasse. Faut que je réfléchisse. Les grimpettes, ça se passe pas toujours très bien, tu vois. Non, mais là, franchement, c'est des grosses. Ouh là là, c'est des grosses grimpettes. On va déjà essayer de la mettre au point mort. Mais. Là, ça va être chaud. Hein. Oh, elle pisse. Non. Oh punaise. Première grimpette, ça se passe comme ça. Faut que je fasse le tour. Mais là, si je tombe, elle va me tomber dessus. Oh bordel. C'est pour ça, faites des sorties à plusieurs. Démarre, sinon on va tout descendre. Là, ça va pas très bien se finir, j'ai l'impression. Bon bah désolé Smolémix, mais je pense que je vais devoir la lâcher. Je vais déjà couper l'essence. Parce que regardez, elle pisse. Pourquoi ça sort du filtre à air? Je suis pas fou les amis, si je suis passé ici, c'est que je suis déjà passé la dernière fois. Mais là, c'est pas repassé comme prévu. Oh la galère, je vous raconte pas. Et en plus, je sais pas si ça paraît trop si pentu à la caméra, mais ça penche pas mal. Ok les amis, j'ai réussi à redescendre la moto. Je vais pas vous mentir, c'était physique. Hein. Allez là. Je suis mort. Je sais pas si on verra à la caméra la grimpette que c'était. Mais. Il y a l'hélico de la gendarmerie. Ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il tourne carrément sur moi là. Oh. Bon les amis, on est reparti. En espérant que l'hélico c'était pas pour moi. Comment ça glisse, c'est trop drôle. Ah, ça m'a usé. Normalement on devait faire toutes les grimpettes. Et on en a fait qu'une. Et même une, c'est pas passé tranquillement. Bon, comme quoi vous pouvez voir qu'une RFZ, c'est assez lourd à manier dans les petits chemins. Là, c'est une plus petite grimpette. Et bah, ça monte, hein. On va essayer de retrouver le bon chemin. Non mais j'ai encore calé. Sinon, c'est pas mal pour s'amuser sur des petits terrains comme ça. C'est fun, hein. Il y a de quoi s'amuser, franchement. Alors les amis, dites-moi si les hélicos c'est que dans ma région. Mais je pense que c'est pas que dans ma région. Mais les hélicos ça fait mal hein. Comme dans GTA, quand t'as 5 étoiles c'est les hélicos. Donc j'espère qu'ils seront pas à la sortie. Mais les mecs, une grimpette. J'ai failli repartir en arrière. Là, il y avait moyen de se faire mal hein. Mais bon, on s'en est sorti tranquillement frérot. Aisément. Bon, j'espère qu'ils sont pas à la sortie du bois. Sinon, ça sera une deuxième partie de vidéo. Mais ça se trouve, l'hélico, c'était même pas pour moi.
on fait des motovlogs en dirt. Mais leur bail de l'hélicoptère, ça, ils prennent la plaque. Oh, mais la galère, les mecs, dans la grimpette. Wow. Et en vrai, on va pouvoir se faire le test de VMAX, hein, si vous voulez. Pour que vous voyez un peu, bon, après, c'est pas fait pour faire des VMAX ou quoi. Hein. Mais c'est toujours drôle de savoir à combien ça monte, des petits joujoux comme ça. Mais moi, il doit avoir un réglage carbu ou un truc comme ça, parce que elle est vraiment pas linéaire. Et quand je mets gaz, elle se comporte assez bizarrement. Mais on va voir. On va faire des petits réglages. Ou sinon, c'est juste que c'est comme ça et que c'est réglé comme ça. Hein. Mais... regardez les retours qu'elle fait. Bon, sinon, les amis, dites-moi si vous kiffez ce genre de petites sorties. Bah, de bas, ça doit durer plus longtemps et faire plus de grimpettes. Mais là, les frères, on en a fait qu'une. Ça m'a mis KO, là. Je me suis fait un tour de dos. On va dormir avec le dos crevé ce soir. Mais ça passe des petites grimpettes tout seul, ce genre de petites bécanes. Et là, je peux grave mettre les 5 étoiles de l'hélico de GTA, frérot. Ils font quoi, les frères, ici? Ils bégayent un peu, non? I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit.